C'est la fin. Ce soir, je reviens en France. Tout est blanc, tout est vide. Ah, c'est triste. Ah, c'est triste. Et oui, les valises sont prêtes. Je suis tout tremblotant là. Et je suis sur le départ. Dans 4 heures, je me casse. Dans 4 heures, je reviens en France. Ça fait bizarre quand même. Le jet lag est présent, oui. Je viens juste d'arriver. Là, aujourd'hui, le moment où je tourne cette vidéo, je viens juste d'arriver. Je suis arrivé à 1h de l'après-midi. Là, il est quelle heure là? Il est environ 18h30 en France. Ça veut dire qu'il est à peu près midi et demi aux États-Unis. Vous l'avez donc remarqué, je ne suis pas chez moi. Hein, ce n'est pas chez moi. Où suis-je? Non, du coup, pour vous dire, pour finir cette vidéo, pour juste remercier tous les gens qui m'ont permis de faire ce voyage. Merci à vous de m'avoir suivi aussi pendant tout ce long. Merci aux nouvelles personnes qui se sont abonnées à la chaîne YouTube. Voilà, je suis juste super content. Je suis en même temps un peu triste d'avoir quitté New York. C'était vraiment une expérience incroyable, enrichissante. J'ai découvert des personnes que je ne connaissais pas. J'ai rencontré des gens. J'ai rencontré des Américains. J'ai rencontré aussi des Français. J'ai rencontré des Bordelais. Oui, enfin, les Bordelais, c'est un peu différent. C'est un peu des extraterrestres. Ils appellent le pain en chocolat chocolatine. Donc, vous voyez un peu le délire, ouais, dans leur tête. Non, voilà, tout ça pour vous dire que vraiment, je sais pas si vous avez vraiment l'habitude de voyager. Après, je sais pas comment vous avez pas ressenti pareil que moi. Voilà, c'était à travers des vidéos que je vous faisais partager les moments que je vivais là-bas. Et c'est vraiment une expérience ultra enrichissante de pouvoir voyager. Je suis donc enfin en France. Wow, ça fait vraiment bizarre. Wow, dis donc, y a des trucs qui ont changé, c'est des trucs de dingue. Je vais pouvoir enfin rebouffer de la baguette de pain. Enfin de la baguette de pain. Il y aura aussi enfin des prises électriques compatibles avec tous mes chargeurs. Merci. Fini les putains d'adaptateurs de merde, voilà, qui sont d'ailleurs pétés à moitié, ça me casse les plus. Voilà, je rigole, mais en vrai, c'était vraiment un truc de fou. En plus, je pense à tous les gens qui sont restés là-bas, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont restées pour continuer leurs études. Pouvoir voyager, c'est vraiment la plus belle chose. Et si vous avez la possibilité de le faire, si vous avez l'opportunité d'aller quelque part, de vivre quelque part aussi longtemps, ou en tout cas, peut-être plus d'un mois, allez-y, foncez, parce que c'est vraiment une expérience qui va vous marquer à vie. Et c'est génial, vous en ressortez enrichi. Dans tous les cas, merci encore de m'avoir suivi pendant tous ces moments. J'espère que ça vous aura plu. Cette chaîne YouTube, je sais pas tellement où elle va aller. Bon, j'ai beaucoup de projets sur cette chaîne. Ça va aller petit à petit. Je vais essayer évidemment de développer un peu plus cette chaîne, d'avoir d'autant plus de contenu en tout cas, ou en tout cas faire plus de vidéos. Faire des vidéos un peu plus fréquemment et à une fréquence un peu plus régulière. Oui, bon voilà, je le dis depuis des années. Dans tous les cas, portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos après les vacances d'été. Allez, ciao!